Attends, 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 10 balles? Mais c'est quoi cette merde? Et wesh la team, c'est Dark Dreams. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. De nouveau sur Call of Duty Mobile. Bah oui, toujours, toujours, ça bouge pas. Et la team, juste avant que la vidéo elle commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, un max de partage, parce que cette vidéo là, vous allez, vous allez voir le niveau quand même, le niveau d'Activision, le niveau à quel point ils nous prennent pour des cons. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de rejoindre les serveurs Discord. Tout ça, il y a tout en description, lire la description. Il y a aussi d'autres serveurs Discord partenaires. Donc n'hésitez pas à rejoindre, jeter un petit coup d'œil. En tout cas, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Ce matin, je me connecte dans le jeu. Normal, tu vois, je vais me lancer une petite game comme ça pour me réveiller, tu vois. Et bon, je sais pas si vous avez vu le titre. Je sais pas si vous avez vu dans le jeu à quel point on se fait prendre pour des cons. Mais alors, j'ai vu deux, trois petites arnaques. Mais des petites pépites, des toutes petites pépites là qu'on aime bien de la part d'Activision, là, qui aime bien prendre dans la poche des gens tout leur argent. Mais alors là, j'ai vu la plus grosse connerie. Un truc qui devrait coûter 50 centimes, frérot. Ils te l'ont mis à 10 balles. Alors, faut savoir déjà que dans la saison 9, ils ont augmenté toutes les armes jusqu'au niveau 50, donc il faut les améliorer, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui doivent rush leurs cartes et tout pour avoir les camouflages, etc. Mais alors là, en gros, ils nous sortent un truc gratuit pour nous faire kiffer, nous donner plus de cartes, etc. Et là, ce que j'ai vu, les gars, je vous le montre tout de suite à l'écran. J'ai louché quand j'ai vu ça. 10 balles, 20 cartes violettes. Donc en gros, par jour, vous pouvez envoyer à vos amis 10 cartes, donc en recevoir 10 en retour. Si vous n'avez pas 10 amis, c'est pas grave, vous pouvez demander dans le général, ouais, les Français, ajoutez-moi ou des conneries comme ça, c'est vite fait. 10 amis pour vous envoyer des cartes par jour. Donc vous avez 10 cartes par jour. Donc en 2 jours, vous avez 10 cartes. Les cartes, elles vous servent pratiquement à rien si ce n'est de passer de 1 entre 1 et 2 niveaux, tu vois. Genre, si t'en as 10, 20, tu peux passer 1, 2, peut-être 3 niveaux maximum. Là, 10 balles, tu vas passer 3 niveaux sur ton arme. Attends, mais. Attends, et encore, une carte double XP, ça s'active pour 10 parties, en seulement une partie, tu prends déjà 2 niveaux, et là, je sais pas, attends, je vais vous montrer à l'écran, là, tout de suite, avec 20 cartes, donc je les ai pas achetées, bien sûr que non, hein. Je les avais déjà, on m'avait envoyé et tout ça, donc je les avais déjà, avec 20, 22 cartes exactement, donc 1000 points de plus, j'ai réussi à prendre 3 niveaux sur une arme qui était de très 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 bas niveau. Donc imaginez même pas au niveau 46 par exemple, si vous utilisez 20 cartes, vous allez monter la moitié d'un niveau. Et franchement j'ai vu des conneries, tu vois. Moi je joue depuis la saison 1, j'ai vu plein de conneries. Je suis tombé dans pas mal de ces conneries, tu vois. Mais attends, là, attends, là c'est comme... Non mais c'est pas possible. En gros, t'achètes 20 cartes violettes que tu peux avoir gratuitement comme ça en claquant des doigts et tu les achètes 10 balles pour monter ton arme de 50% du niveau. Waouh! Mais encore, s'ils mettaient 10 balles et que tu avais ton arme au niveau max, ouais, là je veux bien, tu vois. 10 balles, une arme niveau max, ouais, ça. Encore, tu vois, je veux bien et encore, tu vois. Moi je préférerais la farmer. Mais attends, 10 balles, 20 cartes. Et attends, en plus de ça, ils mettent en haut à droite 9 jours. Donc en gros, dépêche-toi d'acheter. Attention. Attends, parce que... Attends. Dans 8 jours, quand il restera un jour... Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on va stresser. Donc au fond de nous, on va se dire... Ah ouais, attends. Merde, il me reste un jour et tout. Attends, boum. Carte bleue, je sais pas quoi. Virement, achat. Mais ils sont ouf. Attends. Oh merde, il reste un jour, faut que je me dépêche là. Attends, mais je vois... Je vois pas quelqu'un faire ça, en fait. Genre, encore, il reste un jour le pass de combat, 5 skins, 27 000 skins d'armes, etc. Ouais, je veux bien. Ouais, vas-y, dépêche-toi, 10 balles et tout. Mais attends, 10 balles, tu vas acheter ça? Attendez, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a aussi la boutique de CP, aussi. J'en ai pas parlé, mais la boutique de CP, là. Avec des armes à 1000 CP, avec des revêtements rare, donc bleu, qui pue, qui, franchement ça pue, c'est moche, t'as même pas envie de mettre ça sur ton... tu vois quand t'emballes ton carnet d'école là dans un papier cadeau là, la tête de ma mère, t'as pas envie de mettre ça dessus frère, tellement c'est moche. Et les mecs ils te les mettent 1000 CP, mais c'est pas tout,
Mais c'est pas tout, vous avez aussi des armes, et attends, des armes secondaires et des grenades. Donc de rareté peu commune, donc vert, donc en gros, frérot, c'est le truc typique gratuit que tu utilises jamais, que t'as dans une loot box que t'as gagné grâce à ton ranked ou peu importe. Et là, ils te le mettent par exemple, hein, la grenade fumigène, attention, il y a une petite vague dessus, on va leur prendre... Ah tiens, on va leur prendre 200 CP. Et puis tu sais quoi, Gérard? On va leur mettre un... Je sais pas moi, 20, 30, 47%. Mais oui, comme ça en fait on leur fait croire que c'est encore plus cher de base, comme ça ils ont envie de l'acheter. Tu vois la petite vaguelette là, tu vois bien? Eh ben moi j'ai grave envie de la vendre, tu vois, je me suis fait chier à dessiner dessus. Moi je veux... Eh, tu sais quoi? Moi je veux leur prendre 10 balles pour ça, tu sais quoi? On va leur mettre 800 CP la prochaine fois. Mais attends, parce que 10 balles, c'est 800 CP. 80 CP gratuits, on s'en fout. Attends, 10 balles, 800 CP, mais imagine, tu payes l'arme. Avec le skin bleu qui pue, le l'arme rare là, qui sert à rien, le truc que tu utiliseras jamais, le petit DLQ tout moche qui ressemble au DLQ de base avec un petit trait orange. Mais attends, attends, à quel moment quelqu'un il va acheter ça? Juste, eh, juste les gars, le petit conseil de la journée, le petit conseil de Dark pour éviter de vous faire prendre pour des cons tout simplement, gardez votre argent, ne le mettez pas dans un jeu vidéo. Si vous voulez vous faire un petit kiff de temps en temps, prenez le pass de combat, c'est une valeur sûre. En tout cas, faites attention à vous, gardez votre argent pour vous. Si vous ne voulez pas garder votre argent, donnez-le à votre chien ou à peu importe qui de votre famille ou à peu importe qui est votre ami. Et si vous avez envie de me faire plaisir, bien sûr, je vous gratterai jamais de l'argent. Vous vous abonnez juste en bas de la chaîne, vous lâchez un petit pouce bleu, vous partagez à vos potos. C'était Dark Dreams, bye bye!